Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mal. Oui, ce mal atteint les gens qui ont été témoins d'actes de violence dans le monde, partout dans le monde, de guerre, d'actes de terrorisme. C'est un mal qui atteint tous les survivants de ces actes de violence. Qu'ils soient témoins, comme les journalistes, qu'ils soient acteurs ou victimes, mais survivants. C'est un mal qui les atteint tous. La question centrale est: pourquoi est-on en vie? Pourquoi nous et pas les autres qui sont partis? Et puis, a-t-on bien agi? A-t-on bien réagi à ces actes de violence? Ce sont des questions qui, que vous soyez combattant, victime ou témoin, ce sont des questions que nous nous sommes tous posés. Tous. Alors, pour illustrer ce récit, je vais vous proposer des interviews. Ce sont des interviews que j'ai faites dans les Balkans, pendant la guerre des Balkans, sur différentes personnes, car à ce moment-là, pendant la guerre des Balkans, moi, cette problématique m'intéressait extrêmement. Par exemple, je me rappelle être revenu à Sarajevo, 20 ans plus tard, voir un chirurgien qui était en place, à l'hôpital, à l'unique hôpital de Sarajevo, au moment des combats entre factions rivales, au moment des bombardements, au moment de tous ces combats qui ont ravagé la capitale bosniaque pendant 3 ans, eh bien, au moment de ces combats entre factions, un homme était là et opérait à la chaîne les blessés dans l'unique hôpital de Sarajevo. Je suis allé le revoir et l'émotion de cet homme qui me parlait des gens qu'il n'avait pas pu sauver me toucha en plein cœur. Je vous propose de l'écouter. Tous les jours, on recevait entre 40 et 50 blessés. Pendant que les blessés sont allongés par terre, l'hôpital est bombardé. Vous êtes censé décider qui opérait le premier. Mais en même temps, il y a des enfants qui hurlent. Comment choisir dans des circonstances pareilles? Lorsque vous étiez en train d'opérer un blessé, après avoir jugé qu'il avait la priorité, un autre, vous tenez la jambe avec sa main. Mais le temps de passer au second, il était mort. Sa main s'était relâchée. En plus, vous n'aviez pas de lumière, pas d'électricité pour voir ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des situations et des images qui vous troublent constamment, à jamais. Même 20 ans plus tard, on se souvient de ces situations en se posant toujours la même question. Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que je me suis trompé?
La souffrance, la détresse, l'horreur de la guerre touchent toutes les parties. C'est ainsi que moi, je suis allé à Belgrade, en Serbie, pour écouter tous ces gens qui avaient été complètement détruits par la guerre de Bosnie. Détruits psychiquement par la guerre de Bosnie. De la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérées, beaucoup d'entre elles ont craqué. Et puis il y a celles qui ne savent plus rien de leur famille, qui un beau jour a disparu dans la tourmente. Ivana est de celle-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'Exode, ses biens confisqués. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrer. Rentrer à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. Au passage de la caméra, soudain, un homme tombe. Cet homme vient d'une zone de combat et faire le mort est une sorte de jeu pour lui. Milan se veut coupable, c'est de sa faute, il en est sûr si son meilleur ami est mort. Pendant de longues heures, il reste muet, prostré. Au mois de mai, j'ai eu un ami qui a été tué dans un char à côté du mien. Nous étions très liés. Le jour de sa mort, nous avions passé près de 3 heures ensemble. Je lui ai donné un paquet de cigarettes en lui disant « Tu peux pas rester sans cigarettes ». J'étais pour lui comme un père parce que j'avais 28 ans et il n'en avait que 22. Sa mère était à côté du cercueil et elle pleurait. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a demandé « Pourquoi tu n'as pas sauvé mon fils ?» De retour à Sarajevo, j'ai également écouté, 20 ans après, les rescapés. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'était nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne, j'ai été opéré 2 fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. J'ai pris comme exemple ces interviews que j'ai faites à propos des guerres des Balkans. Mais en fait, c'est absolument partout la même chose. Partout dans le monde,
Vous avez exactement les mêmes traumatismes, que ce soit en Libye, en Syrie, au Congo ou ailleurs. Ce sont les mêmes traumatismes, les mêmes souffrances, les mêmes horreurs. Car, pour les survivants, aussi, rien n'est simple. Absolument rien n'est simple. J'espère que cette petite minute de vérité vous a plu. Allez, à bientôt. Au revoir.